I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You're a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour, bonsoir, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale. Aujourd'hui, mon nom est Jonathan Drapeau, je suis en co-animation avec mon collègue Benoît Laferrière, qui est Nastrada Ben. Comment ça va, mon Ben? Ça va bien, puis je suis bien content de faire ce spécial-là aujourd'hui. Un spécial sur une grosse légende qui nous a malheureusement quitté trop tôt à l'âge de 34 ans. Il s'agit de The Adorable Adrian Adonis. Yes, Adrian Adonis qui a... a fait crier les foules et avait une façon assez particulière de faire réagir les gens, avait une aura particulière. Moi, j'aimais beaucoup le voir dans la ring. Ah, et puis pour sa grosseur, il était souple. Ah oh, oui, vraiment, vraiment. Comme on dit, hein, il a bougé sa merde. Hein. Ah, et puis tu sais le flip dans le coin que Sean faisait, là. Ouais. Ben, il le faisait, lui, avec. Là. Exact, exact. Et puis, commençons comme ça. Dans le fond, Adrian Adonis... son vrai nom, c'est Kate Adonis Frankie Jr., parce qu'il y avait un senior. Oh ouais. De son vrai nom, il est né, dans le fond, le 15 septembre 1953 à Buffalo, dans l'État de New York. Et puis, il était un lutteur professionnel américain. Il était principalement connu pour ses passages avec la American Wrestling Association, la AWA, là, ouais, puis la WWF, la World Wrestling Federation, mais tu sais, comme dans les années 80 à peu près. Là. Ouais. Puis sachez, vous allez savoir une affaire, c'est qu'avant de faire une carrière dans la lutte, là, Adrian Adonis, il était dans la lutte amateur à la Kenmore East High School. Il était plutôt doué. Cependant, il a abandonné l'école car il n'aimait vraiment pas ça. Comme bien du monde qui n'aime pas aller à l'école. Frankie a aussi joué au football et a même joué dans la CFL. Cependant, sa vraie vocation était la lutte professionnelle, c'est-à-dire la lutte sur un ring, le catch, comme diraient les Français. C'est ça. Puis dans le fond, il a débuté sa carrière, Ben, en 1974, ouais. Où il a été entraîné par le catcheur, dans le fond, néo-zélandais Frank Atkins. Puis il a fait ses débuts... sous son vrai nom, dans le fond, Kate Frankie, à la fin des années, de la décennie des années 1970. Il change de nom de lutteur, puis il se fait appeler, dans le fond, Adrian Adonis, qu'on connaît aujourd'hui, ben oui, mais ben oui. Tu sais, avec une gimmick de moteur, dans le fond. Ouais, c'était pas, comme disait Guy Auré, là, c'est juste, ce n'est qu'une citation. Je veux pas avoir le mouvement gay sur les épaules, là. Je ne veux pas le faire poursuivre par le mouvement homosexuel, mais il disait la fofolle du ring, Adrian Adonis. Non, mais c'est une citation, bien entendu. Yes. Lors de son passage à la Pacific Northwest Wrestling, un territoire qui était à Portland pour la NWA, dans le fond, en Oregon, et avec comme propriétaire Don Owens, Adonis a été en équipe avec le défunt Roddy Piper. Le bossard de WrestleMania 3. Yes, d'ailleurs, c'était un des meilleurs matchs de WrestleMania 3. Parce qu'on a des matchs qui ont eu le plus de hits. Hein? Oh, ouais, vraiment. Puis c'est. L'ambiance, là. C'est, selon moi, là, il fait partie du top 3 des matchs où il y a eu le plus de hits. Ah, ben, je pense que oui. Ah, oh, ouais, ouais, c'est fou, là. C'était incroyable, ce combat-là, pour vrai. Et puis, ben, dans le fond. Ouais, ils se sont séparés plus tard. Ouais, ils se sont séparés plus tard, puis Piper, il est devenu face. Faisant équipe avec Ron Starr pour remporter le championnat, dans le fond, NWA, par équipe avec Piper et Killer Brooks, avant de perdre... Contre Piper et Killer Brooks. Ah, excuse-moi. C'est pas grave. Et Killer Brooks, avant de perdre le titre face à Kiwi Shipfreders, connu sous le nom des Bushwalkers, dans le fond. Ouais, à l'époque, c'était les Shipfreders. Le premier passage, la AWA de 79 à 81,
Donc, en 1979, Adonis fait le grand saut dans la Fédération du Minnesota, la AWA de Vern Gagné, bien entendu. Ouais. Il fait équipe avec le futur commentateur coloré politicien et ancien gouverneur du Minnesota, Jesse the Body Ventura. Yes. Étant donné qu'Adonis vient de l'État de New York et Ventura se fait annoncer de la Californie, l'équipe se fait appeler The East-West Connection. L'équipe a remporté le championnat tag team de la AWA le 20 juillet 80 des mains de Vern Gagné et Maurice Mad Dog Vachon. Ce championnat fut gagné par forfait lorsque Gagné n'a pas pu lutter à la date prévue pour défendre le titre. Ils détiennent les ceintures jusqu'au 14 juin 81, date à laquelle ils sont battus par les High Flyers, une équipe formée de Greg Gagné et de Jim Bronzel. Ensuite de ça, moi, je voudrais parler, dans le fond, de son premier et de son seul passage à la World Wrestling Federation, qui se trouve à être bien entre 81 et 86. Ah oui, bien sûr. Dans le fond, en 81, Adonis et Ventura ils ont débuté à la WWF, parfois en solo, mais aussi parfois en équipe. Un peu comme Luger puis Sting de temps en temps à WCW. Yes, puis ils ont toujours eu le même nom d'équipe de East-West Connection. Ouais. Adrian Adonis a défié à quelques reprises, dans le fond, le champion du monde de l'époque, qui était Bob Backlund. Ouais. Et puis ainsi que le champion intercontinental à l'époque, qui était Pedro Morales. Mais il n'a jamais remporté de titre. Lorsque les blessures, parce que tu sais, dans une carrière de lutteur, un lutteur est sujet à se blesser au dos, au cou, au genou, bref, on devient quasiment enfant de porcelaine, là, façon de parler. Alors, lorsque les blessures ont amené Jesse the Body Ventura à ne plus performer régulièrement sur le ring, Adonis a formé une équipe avec le Texan Dick Murdoch, appelée The North-South Connection. L'équipe a débuté à la fin de 83. À cette époque, Adonis, qui était auparavant un lutteur musclé, trapu et bien conditionné, a pris du poids considérablement, puis on voyait les poignées d'amour et les vergetures. Oh, il était très, très rempli, là, notre ami Adonis. Puis le 17 avril 1984, The North-South Connection bat Tony Atlas et Rocky Johnson pour remporter la ceinture par équipe de la WWF. Ensuite de ça, ils détiennent les titres par équipe pendant 279 jours avant de les perdre le 21 janvier 1985. Ils sont battus par, dans le fond, Express Barry Windham et Mike Rotundo en 1985. Puis l'équipe s'est blessée un peu après leur défaite, dans le fond. Dans le fond, ça explique pourquoi Barry Windham et Mike Rotundo sont champions de WrestleMania 1. Ils avaient gagné un petit peu plus tôt dans l'année 85. Ça. Alors, le nouveau personnage pour Adrian Adonis de 85 à 87, puis plus tard dans le fameux chapitre, ça va être son départ de la WWF. À la fin de 85, après avoir été peu de temps managé par Bobby DeBrennan, la gimmick d'Adrian Adonis a commencé à changer. Tout d'abord, Jimmy Hart est devenu son gérant lorsque Hart a échangé King Kong Bundy à Heenan en échange d'Adonis et de Missing Link. Tu te rappelles quand on a fait notre road trip à Montréal, là, à Laval, là, j'en parle de ça. Il y a eu un échange de lutteur et de manager. Ouais, j'en parle à un moment donné. Yes, vas-y, mon ami. Oui, bien sûr. Adonis a battu le Kapal Kirchner en première ronde du tournoi de l'événement Wrestling Classic du mois de novembre. Cependant, il a perdu contre Dynamite Kid en quart de finale. Au début de 86, Adonis a commencé à porter une mallette avec la phrase « Relax with Trudy » dessus et un spray appelé « Fragrance ». Lors d'un segment du Piper's Pit, Adonis a donné sa veste en cuir à l'animateur Roddy Piper, qui l'a porté pendant des années par la suite. Adonis a ensuite adopté une gimmick d'un homme surnommé par Guy Horry, comme j'ai dit tantôt, la fofolle du ring, Adorable Adrian Adonis, était donc né. Adonis s'était rendu les cheveux blonds et portait des costumes roses, ainsi que des écharpes, des jambières, des robes, des chapeaux, et allant même jusqu'à se maquiller de manière assez efféminée. Ouais, ben ça faisait penser un petit peu aux vieux lutteurs classiques là, de l'époque. Là, Gorgeous George. Gorgeous George, un petit peu. Et Rico, c'est le personnage de Rico, ouais, là, ouais. Qui est amené en 2003-2004. Il rentrait sur l'ancienne tune de Billy and Chuck, remixé. Yes, yes, yes. Et puis, à ce moment-là, dans le fond, il avait encore pris du poids, puis il pesait comme 350 livres. Puis il a également arrêté son régime d'haltérophilie avant. Et aussi arrêter de se faire bronzer. Le résultat de cette métamorphose l'a fait paraître blanc comme un drap, doux, rond et flasque. Pourtant, malgré cette prise de poids, il n'y avait pas de misère à bouger dans l'arène. Hein? Ah oui, mais il était souple pour sa grosseur. Vraiment.
Tu sais, c'est comme Yokozuna, c'est comme Big Daddy V. C'est des gars qui étaient... Ouais, ouais, vraiment. Puis le 7 avril 1986, lors de WrestleMania 2 dans la partie de Los Angeles, ils sont... ils sortent victorieux face à Uncle Helmer, qui était un gros bonhomme à l'époque avec les... Une espèce d'Hillbilly Jim. Ouais, un genre d'Hillbilly Jim. Par la suite, il s'est mesuré à des lutteurs comme Junkyard Dog, George Animal Steel, et même le champion de l'époque, qui était Hulk Hogan. Ouais, ouais. Qui avait le titre par équipe, titre de la WWF, mais il n'a pas réussi à devenir le champion. En mai 1986, pendant le congé de quelques mois de Roddy Piper, Adonis, avec son manager Jimmy Hart, a lancé son propre talk show intitulé The Flower Shop. Ah oui, c'était bon ça. Ces segments ont été l'élément déclencheur du heel turn de Paul Orndorff contre son ami Hulk Hogan. Adonis disait souvent qu'Orndorff vivait dans l'ombre d'Hogan. Fait qu'il l'a manipulé, son vie. Yes. Puis au mois d'août, peu de temps avant le retour de Piper, Adonis a obtenu les services de Cowboy Bob Orton, qui était le garde du corps de Piper. Ouais. Orton s'est mis à porter un chapeau de Cowboy Rose. Une feud avec Piper s'est déclenchée quand Adonis, Orton et Don Morocco l'ont attaqué lors d'un duel entre les deux talk shows. Piper fut blessé à la jambe. Oui, c'est ça. Une semaine plus tard, Piper a détruit le décor du Flower Shop avec un bâton de baseball. Mais ça, on le voit dans le casque de Jabbar à mon oncle. Lors du Saturday Night's Main Event, 7 du 4 octobre, Piper a frappé Adonis avec une de ses béquilles, entraînant une convalescence de 2 mois de télévision avec une prétendue épaule séparée. Après le retour d'Adonis en novembre pour attaquer Piper's au Piper's Pit, les deux se sont défiés dans un match cheveux contre cheveux. Ben, Air versus Air match. Ah, c'est trop. Le gagnant coupe les cheveux du perdant. Puis bel et bien, c'était dans le fond au Pontiac Silverdome au WrestleMania 3. Au Saturday Night's Main Event du 9 décembre 1986, Adonis a battu Piper par décompte à l'extérieur après l'avoir aspergé de son parfum dans les yeux. Ça fait penser un petit peu à ce qu'il y avait eu avec Jake the Snake puis Rick Martel. Ouais, Le 29 mars 87, à WrestleMania 3 au Pontiac Silverdome devant 93,173 fans, Piper a remporté le combat cheveux versus cheveux. Cheveux versus cheveux. Face à Adrian Adonis avec l'aide de Brutus Beefsteak, ouais, c'est ça, Beefcake, qui a effectué un face turn et qui a ensuite rasé les cheveux d'Adonis. Adonis a par la suite commencé une brève rivalité avec Beefcake. Mais il a été congédié au mois de mai 87 pour ce que la WWF a qualifié de violation du code vestimentaire. Ah ouais. Ah. Okay. Probablement qu'ils ont eu des plaintes. Possiblement, mais là, c'était pas à lui à payer ce coup. Non, non, merci. Mais donc, après être parti de la WWF, Adonis est revenu à AWA avec Paul E. Dangerously, qu'on connaît sous le nom de Paul E. comme gérant. Toujours avec la gimmick de The Adorable Adrian Adonis, il a rivalisé avec Tommy Rich et a perdu le match final du tournoi de championnat international de la télévision AWA contre Greg Gagne par disqualification lors de l'événement Championship Wrestling du 27 décembre 1987. Là, les deux prochains paragraphes, il y a comme une nuance. Ça se peut que j'induise le monde en erreur. Au pire, on va vous en revenir, bien, vous l'écrirez dans les commentaires. Là. C'est qu'au début de 1988, Adonis était supposé lutter au Japon à la NJPW, la New Japan, bien sûr, avec d'autres lutteurs de la AWA. Cependant, une blessure à la cheville l'en a empêché. En plus de perdre l'argent qu'il aurait gagné grâce à ses combats à la NJPW, Vern Gagne ne le payait plus. Lorsque Gagne a refusé la demande d'aide financière d'Adonis, sa dernière quitté la fédération, il a voulu revenir à la WWF, mais sans succès. Là, c'est ça que je veux dire, la nuance. Là. Pourtant, Wikipédia en anglais mentionne, et je cite, « Avec sa cheville complètement récupérée, Frankie a lutté pour une tournée pour la New Japan Pro Wrestling en mai et en juin 88. Au cours de cette tournée, il a fait équipe avec Dick Murdoch, Owen Hart et DJ Patterson. Le 23 juin, lui et Murdoch ont défié en vain Riki Shoshu et Masa Saito pour le championnat par équipe de la IWGP. Le 26 juin, il a fait équipe avec Murdoch contre Kengo, Kimura et Yoshiaki Fujiwara qui se soldent par un match nul. Alors, quelle version est exacte? Vous le marquez dans les commentaires ou on vous en reviendra là-dessus. Et puis, malheureusement, c'est un talent qui est décédé beaucoup trop jeune, à mon avis. Il est décédé en 88, le soir du 4 juillet 1988, la fête des États-Unis. Ouais, c'est ça. Yes, à Louisville Sport.
Oui, et qui est à Terre-Neuve, à El Labrador. Et en fait, c'est un Canadien. Ben, c'était-tu un Canadien ou c'est un Américain? Non, c'est un Américain, mais c'est un territoire. Il était au Canada. Je pense que c'est les territoires là, que Butcher Vachon nous parlait. Là. Mm-hmm. Tu sais, Terre-Neuve, les Maritimes. Ouais, c'est ce territoire-là. Parce qu'il en parle de Ren Adonis. Alors qu'il roulait, dans le fond, dans une fourgonnette avec ses collègues William Mike Kelly Arco, Victor Pat Kelly Arco, qui j'imagine qu'il devait être des frères ou des cousins, ouais. Et Dave Wildman McKinney. Adonis McKinney et Pat Kelly ont trouvé la mort lorsque le conducteur Mike Kelly aurait fait une embardée pour éviter de frapper un orignal et, aveuglé par le soleil couchant, serait tombé dans un lac. Mike Kelly est le seul survivant de l'accident, mais a eu de graves blessures à la jambe. Frankie a subi de graves blessures à la tête et est décédé quelques heures plus tard. Il n'avait seulement que 34 ans, laissant derrière lui son épouse Bia et ses deux filles Angela Perides et Jenna. Sa femme et ses filles demeuraient à Bakersfield, Californie, et il a été enterré à Green Lawn Memorial Park à Bakersfield, en Californie. Fait que c'est ça, là. Il est mort trop jeune. Il avait encore des belles années devant lui, puis moi, j'ai redonné une chance, peut-être dans une autre gimmick, là, mais j'ai redonné une chance à WWE. C'est spécial comme décès, ça fait penser à notre émission spéciale qu'on a fait sur Tarzan, la bottine Tyler, et puis où on parlait du décès de Tyler, Mad Dog Lefebvre et d'Adrien Desbois. Mais juste... C'est drôle comme quoi il y a deux Adrien qui sont morts dans deux accidents en trip. C'est 4 ans et demi d'intervalle, à peu près. Genre. Il y a peut-être quelqu'un qui a remonté les bottes à Adonis, on ne sait pas. Il y a peut-être un garage un garage de Terre-Neuve qui a remonté sa robe avec des fleurs ou son affaire de maquillage. On ne sait pas. Là. On ne sait pas. En tout cas, alors, j'espère que vous avez apprécié un peu d'historique sur la vie d'Adrien Adonis. Honnêtement, nous, ça nous a fait triper. Moi, c'était un de mes préférés, pour vrai. Quand t'es petit, quand j'étais petit, là, il me faisait capoter, là, pour vrai, là, tu sais. Puis sa fameuse figurine, était hot, là, il y a comme la main de même. C'était vraiment cool. Alors, c'est ici que se termine une émission spéciale sur Adrien Adonis. Merci beaucoup, mon Ben. Ah, ça fait plaisir. Yes. Alors, retrouvons-nous très bientôt pour un prochain Wrestle Rock Podcast. L'action ne manquera pas. Merci. Au revoir.